Je te propose de prendre le canapé. Allez, go. Je te laisse prendre ta chambre. Ça, c'est un peu dur, ouais. C'est un peu dur. J'étais un peu déçu qu'elle parte dans la chambre et me laisser un peu tout seul au final. La Nignos, je n'imaginais pas forcément de manière très, très précise, mais en tout cas, je voulais partager aussi ce moment-là avec elle. T'as pas un oreiller là, quand même, quelque part à me prêter quand même. Ouais, ouais, si, si. Parce que je crois qu'on en a deux trop en fait. Lorsque Nathalie suggère à Benoît de dormir sur le canapé, on comprend qu'elle a envie de ne pas précipiter les choses. On comprend aussi qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir à l'intimité. Et en même temps, il faut aussi comprendre le vécu de Benoît. C'est quand même un rejet très fort. Ça met quand même un peu en péril ce démarrage de sa relation avec Benoît. Bon, alors bonne nuit. Ouais. Ok. Bon, allez. Demain. À demain. J'essaie de me protéger parce que j'ai beaucoup trop souffert auparavant. Je suis dans l'inconnu encore, même si maintenant je sais qui c'est. Faut que j'apprenne à la connaître. J'ai 50 000 interrogations. Si ça va le faire ou pas, quoi. Nathalie, elle a besoin d'être apprivoisée. Exactement comme un animal blessé qui se méfie beaucoup plus et qu'on prend plus de temps à apprivoiser. Elle a été blessée par ses relations précédentes, donc elle a plus besoin de temps pour faire confiance à quelqu'un. Mais rassurer quelqu'un en permanence, ça peut devenir usant. Donc c'est quelque chose qui entraîne un déséquilibre dans le couple sur le long terme.